Il est venu depuis le Cameroun. Il est présent.
je l'entends là, en sourdine dans mon micro, dans mes oreilles, pardon, il est prêt, c'est un artiste qu'on ne présente plus. Je l'ai dit tout à l'heure, ceux qui le connaissent l'apprécient, ceux qui ne le connaissent pas le découvriront. Aujourd'hui, pour vous, ce soir, mesdames et messieurs, je l'appelle, s'il est prêt, il est dynamique, il a sa guitare, je vous ai dit, il a des doigts tout à fait particuliers. Il sait faire des choses avec que peu de personnes savent le faire. On a connu le grand Zanzibar à Tebas sur ce domaine au Cameroun. Aujourd'hui, ce soir, nous avons ceux qui ont continué cette génération, ceux qui ont pérennisé cet art, qui est la guitare, qui est la musique. Il est là avec nous. Il s'appelle, s'il vous plaît, chers invités, pour vous ce soir, monsieur Pédé le Roi, sur vos ovations. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Ça va Paris? Alors, merci déjà pour la communauté photo de m'avoir accordé cette opportunité de commencer ma carrière professionnelle. Merci à tous ceux qui me soutiennent dans les réseaux sociaux. Merci à tout le monde. Merci aux femmes et aux hommes qui ont décidé que le peu de temps que j'ai encore ici, que je les apprenne à danser. Mira.
J'ai mis son livre dans moi, j'ai mis le chien, je le fais. Oh, avec la la, il a fait. Yeah, 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 y
Thank you.
mignon, si t'es mignon, mignon, si t'es mignon. Ah, Nathalie, t'es moi. Nos invités d'honneur, ils doivent déjà, le temps presse. Ah oui, je passe. Je dois dire que ce travail de fond du musée de Grandly a été géré de même maître par un papa aussi, un papa qui est le premier notable de notre roi, le premier notable de nous, qui a géré de même maître la source de l'eau, dans la harmonie, dans plein d'amour et de solidarité. Alors, we'll be right back.
pourquoi est-ce que nous avons un public exceptionnel ce soir, parce que le président de Dédé s'est entouré des femmes. Oui. Parce que là, la trésorière, je t'assure. La rigueur de l'agent. Ah ouais. Les conseillers se préparent pendant ce temps. La trésorière, Maïcha. Maïcha, elle est où, Maïcha? Ah bah oui. Oui, mesdames et messieurs, le CDD de samedi présente le salopard. Nous continuons, effectivement. Nous allons continuer avec les conseillers. Ce bureau est encadré par des... C'est pas un comité de sages au sens propre, mais c'est des gens qui, de par leur expérience, leur qualité, leurs compétences, les accompagnent sur des sujets divers et variés, bien sûr. Et donc, parmi les conseillers, nous avons Étienne Tourneux, qui est là, qui est tout prêt. Ah oui, et oui, ah oui. Nous avons monsieur. Ah oui. Guy, donc ça. Merci. Merci, Guy, papa. Merci, papa. Nous avons Pauline Makoudjou. Elle est où, Pauline? Pauline. La grande sœur Pauline, elle est où, la grande sœur Pauline? Oui. Oui, elle est là. Ah ouais. Nous avons également. Merci. Nous avons Alain Taillot. Alain? Il est où, Alain? Alain, il est où? Alain Taillot. Alain, Diaga. Toujours dans la ligne des conseillers, nous avons Pauline. Serge Kemba. Serge Kemba. Alain Diaga. Alain Diaga. Ok, Alain. Serge Kemba, s'il vous plaît. Serge. Oui, nous allons reprendre pour la toute première. Je vais donc comme ça appeler l'ascenseur qui nous a rejoint. Madame Tagué Marie. Elle est là, elle est là. Ok. Je peux vous confirmer. Alors Didi. Didi. Merci. C'est lui qui jusque-là était le président des DDF et qui est devenu aujourd'hui de passer au grade de président d'honneur. Il s'agit de monsieur Didier Bertrand Gingo. Non, je rectifie, c'est deux personnes. Ah bon? Deux personnes. Ah, nous avons deux présidents d'honneur. Didier. Oulala, c'est pas nous possible. Avons, si je ne me trompe pas. Oui, il est là. Ah ouais. Vas-y. Merci Didier. C'est la vice-présidente, Gaudry? Oui. La vice-présidente. Ah oui, la vice-présidente. Oh là là. Elle là. Je l'ai vu aller ce soir, il s'agit de Léa. Léa Tagué. Léa Tagué. Léa Tagué. Voici la magie. Voici la magie. La magie, c'est le travail. Travail, mon ami. La magie, c'est quoi? C'est quoi? La vraie magie, c'est le travail. Ah oui, elle est là. Merci.
merci. Oui. Merci, merci, merci. Oui. Merci. Rodrigue. Oui. Nous avons la commissaire au compte qui est là, Nadège. Elle arrive. Et Nadine qui s'occupe des chants traditionnels également. Cette transmission qui est tout aussi importante. Ah oui. Et oui, nous vous attendons, s'il vous plaît, les dames. Merci. Merci à vous. Merci à cette équipe dynamique. Merci à tout ce que vous faites, à cette soirée, à ce que vous nous avez procuré ce soir. Merci. Merci. Oui, nous continuons. Aucune œuvre humaine n'étant parfaite, je dirais quand même que vous avez donné le maximum ce soir. Judas, oui, nous allons continuer avec la locomotive. Ouais. Cette personne qui effectivement tient les rênes, oui, du chariot et qui mène à bien autant que se peut, autant que possible, tout ce qu'ils doivent réaliser. Je vais comme ça nous permettre de découvrir l'artiste, l'archer, comme on disait chez les grands rois de jadis, celui qui mène les batailles de front. Et oui, c'est le président de la diaspora photo de France que j'appelle Monsieur Pedro Domo. Il est là le président Judas. Je suppose que le président a quelque chose à nous dire, je n'ai pas son micro. Et puis notre contenu. Oui, oui, nous continuons cette soirée, Monsieur le Président. Merci encore pour tout. Nous vous donnons la parole à vous. Avant toute chose, avant de vous adresser un petit mot, je vais ainsi inviter sur scène tous les adhérents de la diaspora photo de France avant que je vous délivre le petit mot que je vous ai préparé. Tous les adhérents de la diaspora photo de France, rejoignez-nous au podium, s'il vous plaît. Avant mon propos introductif, je tenais avant toute chose vous adresser toutes nos excuses. On sait que bien d'entre vous n'ont pas pu crier de quelque chose, mais on fera le maximum pour vous apporter des brochettes, pour vous délivrer tous ces vices que nous pouvons. Et une fois de plus, nous sommes désolés, nous sommes vraiment navrés de tout ce qui arrive. Merci. Et avant de commencer, je vais devoir, chers autorités administratives ici présentes, Sa Majesté Momo Sofa, premier roi du peuple photo, différents chefs et notables au grade distingué, distingués invités, la joie qui est mienne ce jour est indescriptible. Car nous célébrons. Je disais tantôt que nous célébrons aujourd'hui une journée assez particulière, une journée vraiment mémorable au sein de la diaspora photo de France, avec ce gala de charité 2022, initialement prévu le 15 mai 2021, mais en raison du Covid, l'événement a été reporté. Donc ça fait pratiquement un an et demi que nous préparons cette journée. Certainement, bon nombre d'entre vous doivent se demander c'est quoi la diaspora photo de France, qu'est-ce qu'ils font ici. En effet, la diaspora photo de France n'est rien d'autre chose qu'une association communautaire appartenant au groupement photo dans la main noire, au pays, au Bamileke, précisément dans la région, dans le département de la main noire, précisément à Photo, excusez-moi. Je voulais également indiquer que la diaspora photo est une association communautaire. Nous œuvrons également à la réalisation de différents projets éducatifs et sociaux au sein de la communauté photo de France,
ainsi qu'au-delà de nos frontières. D'ailleurs, il y a de cela 3 ans, suite à un gala que nous avions organisé, nous avions mis en place un projet à hauteur de 1500 euros. Et ces 1500 euros ont permis de contribuer à l'achat des bancs, à la réhabilitation de 2 écoles au sein de la communauté photo. En l'occurrence, l'école primaire Chola Fongimdo, ainsi que l'école primaire de Lissa. Et si vous êtes réunis ici aujourd'hui, le projet s'inscrit dans la même lignée, à savoir les fonds issus lors de ces galas permettront vraiment d'œuvrer à mettre en place des projets de développement, de construction de la communauté photo et bien d'autres choses. Et comme vous le savez, ces 2 dernières années ont été très difficiles, assez éprouvantes avec la crise sanitaire. Heureusement, au sein de la diaspora photo, nous n'avons déploré aucune perte en vues humaines, que s'agissant du Covid. Mais toutefois, nous n'oublierons pas toutes les personnes qui ont perdu un être cher ces 2 dernières années. Je vais ainsi vous dire de garder une pensée vraiment émue pour notre frère, le docteur Guy-Michel Desanneau, qui nous a quittés précisément le 28 août 2020, un valeureux soldat photo, parti très tôt malheureusement, que son âme repose en paix. Un petit applaudissement pour lui, ou une petite pensée émue pour ce dernier. Je dirais ici, malgré toute cette période difficile, on peut également s'en féliciter de tous les projets que nous avions pu mettre en place. Je peux ainsi citer le renforcement de la solidarité au sein de la communauté photo de France, avec notamment la refonte de la charte du fonds de solidarité. Je citerai ainsi la mise en place d'une teuf au sein de la communauté, ainsi que l'achat des vêtements. Nous sommes aujourd'hui opérationnels. Je vais ainsi vous dire, on peut se réjouir de ça. Je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour tout ça. Je voudrais également indiquer qu'au sein de la communauté photo, nous visons loin, nous avons pas mal de projets futurs, des projets à long terme. Et il y a quelques temps, nous avons initié au sein de la diaspora photo de France un projet d'initiation d'achat d'un foyer photo en France. Donc le projet est vraiment en cours d'initiation et certainement d'ici quelques années, elle prendra d'autres ampleurs. On peut également citer l'augmentation significative des effectifs au sein de la communauté de diaspora photo de France. Et tout ceci a été possible grâce à chacun d'entre vous, grâce à l'apport de tous et de tous. Ainsi, je vais ainsi adresser un merci particulier à la vice-présidente Léa Tsagué pour tout ce qu'elle a pu mener pour la mise en place du thé au sein de la diaspora photo de France. Ce projet, je l'ai initié quand j'ai mis en place ma feuille de route et je le lui ai indiqué comme projet essentiel. Et elle a pu tenir ses engagements. On peut également s'en féliciter. Un grand bravo à elle. Je tiens également à féliciter ainsi notre frère Flaubert, qui a mené à bien les entraînements et l'apprentissage de la danse du thé. Un grand merci, Flaubert. Un grand merci également à notre trésorière Maïcha, qui a toujours tout donné pour que les choses avancent au sein de l'association. Même durant la période du Covid, elle se déplaçait pour expédier les chèques aux différents bénéficiaires de la cantine. Un grand merci, Maïcha. Un grand bravo également à notre chargée de cantine. Baudouin, malgré la longue période de confinement, la tantine n'a jamais connu de heure. Un grand, grand bravo. Un grand merci également à la chargée des affaires culturelles, Madame Domo, ici présente, qui a coordonné et mené à bien l'ensemble des activités culturelles.
à l'instar de l'organisation de l'arbre de Noël en fin d'année 2019. Un grand merci à toi. Je vais également adresser un grand bravo à notre sœur Fabrice et Nadine qui nous animent à chaque fois lorsqu'il y a un événement au sein de la communauté. Un merci spécial également aux chargés de sport qui malheureusement n'a pas pu être des nôtres ce soir pour tout le travail qu'il a pu mener au sein de l'association. Je ne saurais également finir sans adresser un merci particulier à tous mes conseillers que sont Étienne Tonle, Guy Donfac, Pauline Makoudjou, Alain Taillot et Serge Kempa. Une mention vraiment spéciale à notre censeur Tsagué Marie-Antoinette pour son dévouement, pour sa disponibilité. Je peux vous affirmer qu'elle est l'une des clés motrices de la réussite de cet événement. Un grand merci à toi, Marie. Je vais également adresser un grand merci à toutes les délégations étrangères qui ont pu faire le déplacement ce jour. Je vais ainsi citer la grande délégation de Belgique, accompagnée du représentant du roi, ainsi que Nkum, que j'aperçois, et de son président Étienne Sobzé, ainsi que toute la compagnie. Je vais adresser également un grand merci à toute la délégation suisse présente, accompagné de notre frère Mario, Pulcheri, Eric, la maman de Mario qui a également fait le déplacement depuis la Suisse. Un grand merci à vous. Un grand merci également à la délégation allemande en tête de ligne avec son président Paul Sauquin, notre frère Doris que j'appelais soit d'ici, notre frère Mata Fidel, notre sœur Marguerite, qui ont fait le déplacement depuis Berlin. Nous vous en remercions profondément. Je n'oublierai pas également la délégation italienne qui a œuvré de tout bout dans le protocole, dans l'accompagnement, dans la communication. En tête de ligne, le représentant du roi en Italie, Monsieur Pierre Sonnant, un grand merci à vous. Bon nombre d'entre vous ne savent pas, mais il a été, je vais dire, le maître d'œuvre dans la communication pour tout ce qui a été mené. Un grand merci. Je n'oublierai pas également la forte délégation lyonnaise qui a fait le déplacement avec en tête de cortège le président Adalbert, avec notre frère Joe, notre sœur Julie et bien d'autres personnes. Un grand merci à vous d'avoir fait le déplacement. Je ne saurais terminer ces remerciements sans adresser un immense merci au premier d'entre nous, au premier des photos, Sa Majesté Momo Sofar Premier ici présent. Je sais combien son programme, son emploi de temps est extrêmement chargé, mais il a bien voulu nous faire l'honneur d'être des nôtres. Un grand merci Majesté pour tout ce déploiement ainsi que pour toute cette disponibilité. Enfin, je vais également faire un grand merci à tous les chefs qui ont bien voulu accompagner notre roi ce soir. Je vois directement à ma droite et ma gauche le chef Fonateka qui est arrivé hier essentiellement pour cet événement. Un grand merci Majesté. Un grand merci également au chef Balin ici présent, au chef Ngante, au chef Fongotongon, au chef Bamendji, Fonateka, je l'ai dit tantôt. Un grand merci à vous d'avoir fait le déplacement. Donc, je vais ainsi clôturer mon propos. Je vais ainsi demander que le Seigneur
que le... Ah non, 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 désolé, là, sincèrement, je m'en voudrais tellement, Je vais aussi adresser à notre... je vais inviter sur scène la présidente d'A4F, inviter ici personnellement la présidente de A4F. Je vais vous faire une petite confidence. Dès lors qu'au sein de la communauté photo, nous avons validé une date, elle a été la toute première à qui j'ai adressé un message pour leur dire on organisait une soirée de gala et je sais combien même l'A4F s'est mobilisée, comment la présidente Clarisse elle s'est battue corps et âme. Il y a aujourd'hui plus près de 30 personnes en provenance qui sont venues, que ce soit par le biais de A4F ou par d'autres ramifications provenant de l'A4F. Je ne saurais terminer vraiment sans lui demander d'ajouter un petit mot à notre endroit. Et comme je vous ai dit, ça a été la première association que nous avons tenue informée, l'une des premières associations que nous avions visitées pour faire part du projet qui se mettait en place. Merci. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir aux députés. C'est un grand honneur que mon confrère de l'association BDF nous donne ce soir. Comme c'est très bien. C'est la même famille. Donc ce qu'ils font à la DDF, ça nous concerne. Effectivement, je ne sais quoi dire, mais je suis très fière de ce qu'ils ont fait jusqu'à l'heure actuelle. Et nous serons toujours disponibles à travailler main dans la main. Tout ce que nous formons un. Soyez les bienvenus. Et je vous remercie pour votre présence ce soir. Merci, présidente Clarisse, je te garde avec moi. Je veux également adresser un immense merci pour toutes les associations présentes, en l'occurrence le Maison Bafoutéro, qui nous ont commandé pratiquement 30 tables. Un grand merci à son président Jean-Claude Sven, un grand merci. Je vais aussi adresser un grand merci à l'association Bamangoum ici présent, à l'association l'AMF, à l'association Fontachola, à l'association Gimbo, à l'association Batier, à l'association Baloum et bien d'autres associations encore. Et l'association Cogné également. Donc l'association des Lédis, l'association de l'Amical Bafou, je sais que Foreke également, et ainsi l'association Fongotongo, je sais que je vais peut-être oublier quelques-unes, et je m'en excuse pour ça. Un grand merci à vous. Et je vais clôturer mon propos, je vais ainsi demander et exhorter que chacun d'entre vous retourne jusqu'à vos domiciles respectifs sans heurts. Thank you.
Je sais que beaucoup d'entre vous voudraient s'épanouir. Parce que tout à l'heure, avant qu'on ne fasse ce petit bout, nous voulions tous nous trémousser. Je voudrais donc saisir cette circonstance pour inviter les fils et filles photos à davantage de solidarité entre eux pour pouvoir initier des projets pour le bien de tous. Et je suis heureux d'entendre que vous avez un futur projet pour la réalisation d'un foyer socio-culturel photo en France. Je vous encourage dans cette initiative et vous pouvez compter sur notre soutien pour vous encadrer afin de mener à bien ce projet. Le temps est parti. Je voudrais remercier le bureau exécutif de la diaspora photo et tous ses adhérents pour ce travail magnifique qu'il faut pour regrouper tous les photos de France et inviter ceux qui n'ont pas encore rejoint les rêves à le faire parce que comme un adage de chez nous dit, plus on est nombreux, plus on est fort. Et j'espère que vous soyez cette communauté forte, capable de vous identifier dans cette capitale mondiale qu'est Paris. Tous nos encouragements pour ces initiatives. Je voudrais donc souhaiter que davantage les photos recouvrent ce milieu. Et que vous puissiez continuer à encadrer vos cadets qui, pour des raisons multiples, arrivent en France ou ailleurs afin de leur faciliter l'intégration dans ce milieu ô combien difficile. Si nous avons tenu à faire le déplacement, suivons que, et en répondant favorablement à votre invitation, c'est effectivement pour vous encourager à continuer de l'avant, parce que vous êtes sur la bonne voie. Je ne peux terminer en disant qu'un seul mot, continuer sur cette voie salutaire et nous irons très loin. Avant de mettre un terme à mon propos, je voudrais donc prier les dieux de photos qui se sont transportés ici ce soir déplorer la grâce divine pour que chacun d'entre vous retourne sans eux à son domicile ou à son pays de résidence. Bonne fête à tous et que la soirée continue de manière exceptionnelle. Je vous remercie. Thank you.
C'est à cause d'une grande dame que je peux présenter aujourd'hui. Maman Fou Pascaline, et c'est sa ligne vestimentaire. Elle a décidé de m'habiller aujourd'hui. Maman Fou, merci déjà. Merci. Merci. Fan numéro. Je dis encore. Voilà. Et gamba di malo.
Thank you.
Je mets genoux à terre pour un gloire à Dieu, il m'a tout pris prendre. Quand je pense à mon passé et tout ce que j'ai traversé, je mets genoux à terre pour un gloire à Dieu. Il y en a qui ont dit je ne peux pas, il y en a qui ont douté de moi, mais tout ça parce que je n'avais rien. Quand la vie de la famille, moi je vais de loin, le pétrole du village est devenu kérosène. La vie est une bénédiction. Moi ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais jouer. Saga Junior, comment ça y est le 45? Comment on connaît la finance? Joue toujours au cœur de parler mal des hommes. Toujours, toujours c'est pas qui parle mal à vous. C'est Dieu qui s'est mis, c'est Dieu qui va tout. Il y a des gens dans ma bambou. Tu n'as rien, Joe. Le bonheur que tu cherches là, ça dépend de toi. La promotion que tu cherches là, ça dépend de toi. La différence que tu cherches là, ça dépend de toi. Adéa, tout ce que tu cherches là, ça dépend de toi. Ça ira ta mère, ça dépend de toi. Ça ira Dieu sur le monde, ça ira ta mère, ça dépend de toi. Ça ira ta mère, ça dépend de toi. Shimanya.
Vraiment la soirée s'est très bien passée. Donc je suis au sommet de Yonta, le chef de la communauté Bangang de France. La soirée s'est bien passée. Félicitations au président des photos de France, Pergo Ndormo, pour ce moment. Merci. On a passé de bons moments et rendez-vous l'année prochaine. Merci. Soirée magnifique, avec beaucoup de monde et beaucoup de travail pour la diaspora photo monde. Bravo. Je suis content pour vous. Merci. Ah, la soirée s'est bien déroulée. Je suis tellement ravie. Donc, je ne regrette pas d'avoir me déplacé de la Belgique pour la France, pour ici. Donc, je suis tellement contente, ravie de cette soirée. Bonsoir aux téléspectateurs de JM Productions, Joël Monca Productions. La soirée photo est une soirée qu'on peut qualifier de réussie. Je pense que les organisateurs de cette soirée ont été dépassés par le succès de celle-ci. Il y a eu plus de monde qu'on attendait. On était obligé d'augmenter des places, des tables dans la salle. Donc, dans l'ensemble, la soirée est un grand succès sur le plan pécunier. Sur un autre plan, tout est discutable. Mais ne dit-on pas qu'une soirée est une réussite lorsque les gens se sentent bien? Alors tout le monde s'amuse dans la salle, les gens dansent dans tous les coins de la salle. La salle est pleine à craquer, c'est donc une réussite, cette première de l'Association des photos de France. Merci à toi Joël Moncam et bonne continuation à toi. J'ai trouvé cette soirée très très belle, vraiment le cadre il est jovial, on passe une très bonne soirée. Merci encore aux membres, au président photo de l'association des photos sur Paris qui a pris l'initiative d'organiser cette soirée. C'est une très belle soirée. On s'amuse pas mal, on s'amuse bien. Et sur ce, je vous souhaite bonne continuation et que la prochaine séance se passe très bien. Merci bien. Malheureux fils photo, je suis très heureux d'être ici ce soir. Dans ma communauté, il s'agit là d'une fête, d'un événement très grandiose. Et je vais bien dilater depuis 2 ans. À cause de la pandémie Covid, nous n'avons pas pu avoir un événement de cette envergure. Alors, la délégation photo de Paris, c'est-à-dire cette délégation dirigée par ce valeureux homme photo à la personne de Dongmo, vient à vraiment faire quelque chose d'excellent. Il est vrai que il y a assez trop de monde. Il y a eu quelques petites anomalies que je crois que connaissant l'homme, il saura les années à venir comment gérer cette situation. Je ne veux pas entrer dans les détails, mais en globalité, je dirais que c'est une grande réussite. Nous voudrons déjà les féliciter parce que organiser une soirée de cette dimension par ce moment, ce n'est pas facile. Alors, nous les félicitons, nous félicitons la communauté photo. C'est vrai que, comme dans toute organisation, toute œuvre humaine, il n'y a pas de perfection. Nous les encourageons à faire mieux prochainement parce qu'effectivement, il y avait quand même du monde. Et par rapport à ce qu'il y avait beaucoup de monde, il y a eu un peu de mal par rapport à la restauration. Je pense qu'ils le connaissent tous. Et par rapport un peu à la disposition des invités. Comme je le disais, aucune œuvre humaine n'est parfaite. Donc c'est des choses à prendre en compte pour les prochaines fois. Sinon, c'était une très belle fête.
et surtout avec la présence de Sa Majesté, le roi des photos, qui a rehaussé de sa présence la fête. Donc toutes nos félicitations. Je suis Pico Assogni, je suis anthropologue et je me suis retrouvé ici à cette circonstance par rapport aux activités du musée du Quai Branly. Je suis particulièrement satisfait des prouesses du village photo, du groupement photo et de toute la diaspora par rapport à leur solidarité. Cette fois-ci où je retrouve que la Belgique, l'Italie, l'Allemagne, la France et tous les autres pays d'Europe sont représentés et je suis très très content de voir la force fédératrice de l'organisation qui met en haut tout simplement le peuple photo qui gagne. Ça c'est une soirée de la diaspora photo de France et je remercie déjà le président Pergo pour tout ce qu'il a fait pour la réussite de cette soirée. Alors c'est vrai qu'on n'a pas été on n'a pas réussi sur tous les plans, mais aujourd'hui c'est une diaspora photo qui rassemble tout le monde aujourd'hui à Paris et sur le thème d'un gala de charité. Et j'invite toutes les personnes à déjà noter cette date, cette période, parce que l'année prochaine, de toutes les façons, on va aller de façon plus grandissante et on va continuer comme ça toutes les années. Donc merci à tout le monde, merci à tous ceux qui sont venus, merci à tous ceux qui ont mis du sien et merci à tout le monde qui a été présent. Voilà, merci. Instructive, surtout pour moi, et très animé, des gens magnifiques. Ce soirée vraiment, autant pour moi, a été magnifique. Et puis, je remercie aussi les gens de photo pour ce soirée, pour l'organisation. Ça a été super, très bien. Sincèrement, en tant qu'un homme de la culture, je suis très ému de voir toute une communauté de la main noire sortir, prouver que la main noire existe. Franchement, le chef photo était présent ce soir. J'ai rien à dire de plus que de dire félicitations à la personne qui a pensé à organiser cette soirée culturelle. Merci à tous les fils et enfants de la main noire. La main noire a gagné ce soir. La main noire a gagné. La main noire a gagné. La main noire a gagné. Félicitations aux enfants de photo, c'est la main noire qui gagne. Je ne peux qu'être heureux de la mobilisation, heureux des personnes qui ont fait le déplacement des États-Unis, l'Allemagne, la Belgique, l'Italie d'où je suis venu. Évidemment, en ma qualité de représentant du roi photo en Italie, j'ai contribué, j'ai fait ma modeste contribution avec toute la délégation qui s'est déplacée pour que cet événement soit une réussite. Donc évidemment, on va continuer à travailler, on va continuer à se mobiliser autour de notre roi, Sa Majesté Momo Sofak Ier, pour porter au plus haut niveau les projets de développement, les projets caritatifs et pour venir en aide évidemment aux personnes vulnérables. Évidemment, je remercie JM Studio qui est ici avec nous aujourd'hui parce que la communication, c'est mon ancrage, c'est d'où je suis né, Pierre Sona. Vous le savez très bien, je travaille depuis plusieurs années et pour Canal 2 International, je peux le dire, mais en ce moment, on est dans un autre cadre. Sincèrement, je tiens tout d'abord à remercier toutes les personnes qui ont pu faire le déplacement. La joie qui est mienne aujourd'hui est vraiment indescriptible. Ça va vraiment au-delà de toutes mes attentes. En aucun moment je me serais attendu à un tel engouement, mais grâce à l'effort des uns et des autres, on a pu mener à bien cette mission. Je suis vraiment extrêmement exténué, mais très satisfait. Très satisfait, comme on dit, toute œuvre humaine n'est jamais parfaite. Et nous excusons pour tout ce qui a été désagrément. Il est bien vrai, il y a eu quelques manquements,
mais nous corrigerons le tir lors des prochaines séances. C'est-à-dire que j'ai la voix rock. Que dit des retombées de cette soirée? Comme je l'ai relevé tout à l'heure, quand nous organisons de tels galas, les fonds issus permettent vraiment à mettre en œuvre, à contribuer au projet de développement sociaux, projet éducatif de la communauté. Donc on s'inscrit vraiment dans la même lignée que les années antérieures. Donc l'idée serait que s'il y a un retombé, s'il y a quelques sous, qu'on consacre dans des projets. Et un grand merci encore à tous ceux qui ont pu faire le déplacement. Que chacun retourne chez soi sans heurts. Et merci encore. Puisque c'est grâce à mon collègue, le chef Otto, qui m'a invité à cette cérémonie. Et j'ai vu qu'ils ont réussi à cette fête à 100%. Et j'aimerais que telles occasions se répercutent pour que certains de nos frères et de nos sœurs puissent se réunir de temps en temps pour faire prospérer la culture de nos différents départements. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir essentiellement de cette soirée? Ou qui a connu votre participation, Sa Majesté? Oui, je l'ai déjà dit, que cette cérémonie a été très grandiose et que j'aimerais que de temps en temps, nos frères et nos collègues en font autant, parce que une telle cérémonie est pour moi une très grande cérémonie et que de temps en temps, nous devons être aussi présents pour rehausser l'éclat de cette cérémonie. D'accord. Mes impressions ne peuvent être que bonnes à l'issue d'une soirée aussi réussie, organisée par la Diaspora Photo de France, à qui j'adresse toutes mes félicitations et mes encouragements. Surtout une soirée pareille qui a un autre objectif. C'est une soirée caritative, avec pour objectif de tirer des dividendes pour pouvoir financer des projets sociaux, économiques et culturels pour le développement de notre contrée. Et ma présence est justement pour encourager et soutenir cette jeunesse montante qui s'est fixée pour objectif de contribuer, de participer et de soutenir les projets de la localité. Ils n'ont pas oublié. Tous les membres de cette association n'ont pas oublié d'où ils viennent et ce qu'ils sont venus chercher ici. Leur bien-être et contribuer au bien-être collectif de notre communauté. Et en tant que guide de ce royaume, je ne peux que soutenir de pareils projets et inviter tous les fils et filles photo qui n'ont pas encore rejoint le groupe à le faire le plus tôt possible. Pour que, main dans la main, dans une sorte de canalisation des énergies positives, ils puissent contribuer au développement de notre contrée. Donc, c'est une soirée vraiment réussie. Et j'adresse mes vives félicitations à l'équipe dirigeante conduite de main de maître par son président, Pergo Ndomo, toute son équipe et tous les membres, puisque lorsqu'on est unis, on est plus fort. Et je crois qu'avec cette logique-là, ils iront plus loin et peuvent compter sur leur roi. Merci.